Et plop légende, donc aujourd'hui, sur une petite vidéo sur Wii U. Donc, sur Wii U pour changer un peu. Et on va lancer. Hop. On va lancer, merci. Donne réaction proche du zéro. Un Mario Kart 8. Donc voilà, donc c'est un petit moment que j'ai failli me tenter ce jeu. Du coup, j'ai sauté le pas. Bon, vous avez assisté à quelques bonnes grosses défaites, hein. Faut pas se mentir, le jeu est juste. Ah, j'allais dire horrible. Non, il est pas horrible. Mais putain, qu'est-ce qu'il est dur, quoi. C'est clair que moi et ma chance phénoménale, on n'est pas très bien logé. On va jouer du jeu en ligne, hein, parce qu'on va pas se casser la tête. Le jeu solo a grandement peu d'importance. Il sert surtout à récolter des pièces. Donc, comme vous avez vu, c'était déjà des gameplays. Les pièces que vous récoltez en fait servent uniquement à débloquer des machines, des personnages. Enfin, les personnages, là, vous les gagnez sur les coupes. Parce que, bon, comme dans tout monde. Je fais du régional, moi. Comme dans tout. Mario Kart, vous avez des coupes. Et ces coupes-là servent, si vous voulez, un peu d'entraînement. C'est-à-dire que vous découvrez d'une les nouveaux. Enfin, les circuits. Et ensuite de ça, à la fin de chaque coupe, si vous finissez premier, peu importe le nombre d'étoiles que vous avez, vous débloquez un personnage. Donc elle sert à ça. Et elle sert aussi à trouver. Donc sur une partie déjà commencée, c'est pas grave. Ça me permet un peu d'expliquer. Et on découvre du coup en même temps donc les circuits, les personnages, et en plus de ça, les pièces que vous récoltez vous servent justement à débloquer bah, des pièces, tout bêtement. Donc elles servent à débloquer des nouvelles cartes, des nouveaux systèmes de descente. Ils sont dans son quoi là? Sérieux? Et qu'on s'appelle la partie pour mettre là-dedans, oui. Et on peut pas quitter, je parie. Ouais, quitter. C'est bon, encore sortir une partie quasiment finie, je dis pas, mais là. Donc ça va débloquer de nouvelles cartes, des nouveaux personnages. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai débloqué Peach Rose d'or. Enfin, d'or rose, pardon. Donc sonore, on a débloqué la Kitu, Iggy et Morton. Donc ça c'est le personnage que vous débloquez, sinon en fait, tout ce côté là, en fait, tout le triangle, enfin tout le carré en gros là où je passe, c'est le personnage que vous devez débloquer, tout le reste, tout ça c'est que les personnages que vous avez déjà en avance. Donc, moi je prends Yoshi parce que c'est mon préféré, je prends toujours Yoshi, Naruto parce que j'ai l'habitude, et sinon voilà, vraiment le scoutinette vous allez débloquer avec les pièces, celui-là le sous-marin vous débloquez avec les pièces, celui-là vous débloquez avec les pièces, celui-là d'origine, celui-là vous débloquez avec les pièces, donc c'est pareil en fait, enfin à chaque fin de course, le nombre de pièces que vous avez est accumulé, donc je sais pas s'il y a un compteur spécifique, je me rappelle pas. Mais en tout cas, il me semble que ouais, vous. Hop, un petit message, comme ça vous pouvez dire salut, bonne chance, plein de trucs. Et donc du coup en fait, je sais pas si vous avez un compteur spécifique, mais en tout cas vous pouvez justement voir, enfin, à la fin des courses, quand vous débloquez quelque chose, vous dites, ben voilà, vous avez eu 50 pièces, vous avez débloqué un truc. C'est par palier de 50. Hein. Si vous avez 150, 200, 350, etc. Et vous débloquez justement des petits morceaux, donc soit des nouveaux cartes, soit des nouveaux types d'ailes, donc quand vous voulez, parce que bien sûr vous allez voir qu'on peut planer pendant un petit moment sur les gros sauts. C'est fait exprès, hein, c'est un morceau du circuit fait exprès. Et aussi, le troisième truc, c'est les roues. Voilà. Donc on débloque des nouveaux types de roues, hop, bien sûr le 2. Paf, les parcs canons, au top. Donc vous allez quand même voir la personne la moins chanceuse du monde. Hein. Faut pas se mentir. Quand il y a un truc à me prendre et qu'il faut pas ou quoi, c'est pour ma gueule. Hein. Clairement, à ce côté-là. Donc vous fiez pas à l'apparence, oh t'es deuxième, super et tout, te plains pas. Non, ça c'est. La poudre aux yeux. Putain. Voilà, bim. Alors ça, c'est voilà, la chance que j'ai. Voilà, je débloque un truc, enfin, je saute et tout, je prends le saut et tout, le jump, nickel. J'étais deuxième hein, en temps de bataille avec les premiers. Et comme par hasard, bim, je prends un panneau, donc, rien à voir dans l'histoire. Hop, le camion, la race. Voilà. Putain. Donc, je commence assez souvent très bien. C'est-à-dire, je pars souvent dans les premiers, je me bats avec dans les trois premiers sur le podium et tout. Mais ça dure pas longtemps en général. Au premier tour, en général, je suis déjà à la ramasse. Hop là. Donc vous verrez que quand je vois que vous faites un petit saut en fait. Si vous sautez en même temps, comme ça, hop, bon, il fait une petite figure et tout, mais en même temps, il y a un bouclier qui apparaît, je sais pas si ça sert à quelque chose, concrètement, j'en ai strictement aucune idée. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez un petit boost quand vous retombez sur le sol. Ça, c'est plus intéressant.
complètement devant. Voilà, pouf, vous avez vu. J'ai fait un petit saut, j'ai une espèce de bouclier chelou qui est apparu, je sais pas si ça arrive quelque chose, en tout cas j'ai eu un petit boost dès que je suis retombé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop là on prend la spi. Ta race. Enfin, j'aurais pris la spi si je m'étais pas bouffé la voiture constamment. Allez lâche-moi toi. Allez, monte dedans, salaud. Vous voyez les petites pièces qu'on ramasse, par contre dès qu'on prend un coup on perd les pièces. C'est-à-dire qu'on a un maximum de 10 pièces par qu'on peut accumuler, on peut pas accumuler plus. Hop là le petit saut. Loupé. Donc on peut accumuler un maximum de 10 pièces. Hop, paf. Non mais on en a que 9, tant pis. J'aurais voulu vous montrer, donc du coup on a le chiffre en rouge pour vous indiquer que bah, vous pouvez voir plus. On va essayer de la prendre. Voilà, donc j'ai 10 pièces en rouge comme ça. Voilà, dès que j'ai pris un coup, j'ai perdu 3 pièces. Donc à la fin du. Donc les pièces ne sont pas cumulées, c'est à la fin du niveau. Quand vous avez terminé la course, que bim, il vous, vous gardez les pièces que vous avez accumulées à la fin de la course. Donc si vous, genre, vous prenez masse dégâts, oh putain c'est bon ça. Donc là j'ai eu le nouveau, ça c'est un nouveau truc, en fait, vous accumulez tout simplement tous les bonus. Donc, grosso modo, vous avez tous les bonus. Donc, après ils apparaissent, j'ai pas encore trop compris la technique. Alors s'il y avait moyen de savoir quand on peut utiliser et quel bonus on a dans les mains, parce qu'il tourne, donc du coup on balance un peu ce qu'on peut, donc du coup moi je balance tout, hein, je me casse pas trop la tête. Donc fini 5ème, donc c'est plutôt pas trop mal, j'ai pas très harcelé, j'ai pas pris trop de dégâts, j'ai pris un ou deux trucs maximum, donc c'est plutôt même pas parti on va dire. Ça s'est pas trop bastonné. Dans un sens dommage, dans l'autre sens, bon. On a un peu laissé la paix, on a un peu foutu la paix. Donc c'est plutôt pas mal. Alors. L'aéroport Azure est sympa, il est joli tout en plus. Donc ouais, donc on peut dire salut, bonne chance. D'accord, merci, j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit en fait. On passe au vote, je fais chacun choisi, donc aléatoire ou trois cartes. Et après c'est un truc aléatoire qui choisit la carte qu'on fait. Donc forcément plus si tout le monde choisit la même carte, on aura forcément la seule carte là. Tiens, M et Choumi sont dans mon coin. Donc c'est marrant parce que du coup on voit les nationalités des personnes, bon la tête de leur mine, bon, ça c'est pas trop important, mais on voit la tête de leur personne, enfin la tête, on voit la région, enfin le pays déjà de la personne, et en même temps dans quel coin ils sont, dans quelle région. Donc, bon quand c'est des régions étrangères, genre Allemagne par exemple comme le mec devant, États-Unis ou quoi, enfin quoi que les États-Unis, hein, parce que je suis en régional, donc je pense que c'est européen, tout comme ça. Enfin, bref, quand on voit des mecs qu'on connaît pas, c'est sûr que bon ça fait pas trop d'effet. Mais c'est marrant quand on voit des petits français, quand c'est rigolo, on sait que les gens sont dans le coin, ou sont pas loin, c'est assez marrant. C'est gadget, mais c'est rigolo, quoi. Alors, remonter sur l'aile, oui, voilà. Et merde. Voilà, le page de cadeau, ça c'est... C'est du style, hein. c'est du travail, je veux dire. Hop, voilà, j'ai eu le petit truc, bouffe, le boost, tac. En nouveauté aussi, on a ce côté-là un peu jackpot, là, où on a les routes qui tombent à l'envers et qui deviennent bleues. Donc ça, c'est pour pouvoir rouler sur les murs, les machins et tout. Enfin, c'est... De temps en temps, on a ce petit... Ah, tourne. Oui. Par là derrière, hop. C'est vraiment un jeu fun, on peut s'amuser, même si on perd tout le temps. Enfin, c'est rageant, mais bon. Au final ça passe. Oh putain, l'enculé, la route m'a niqué la carapace rouge, je suis dégoûté. On finit toujours par ça, j'ai parti faire, enfin voilà, on dit bon, tant pis, c'est pas grave, voilà, la prochaine quoi. Y a pas tant de choses à gagner que ça, finalement, c'est juste du fun quoi. Allez, putain. On peut rager parce que des fois c'est chiant, tu prends un truc à la fin alors que tu voulais gagner, ou quoi, tu bouges des trucs débiles quoi. Genre là je suis 7ème, les premiers sont masse devant, j'ai aucune chance de pouvoir les rattraper, mais bon. Voilà, on s'amuse quand même quoi. Ça casse sympa. Malgré tout, bah, au côté de l'avion, ça, je trouve ça super sympa. L'avion qui fonce dessus, c'est assez marrant. Puis bon, vu tout peut arriver au final. Bah, on se dit que j'ai jamais perdu quoi. Là, j'étais 7ème, les mecs étaient vachement devant, d'un coup ils sont foutus sur la gueule à mort. Et là, je suis parti 4ème avec le 3ème, 2ème et le premier qui est devant. Merde. Pourquoi j'ai lancé dans le mur, mon pire. Peut-être pas tombé, puis aussi. Ouais, avec le cadeau, super. Hop. Là, putain, pourquoi je me mange à chaque fois ce machin? Et boost. Ah, c'est pas cool, parce que là, du coup, je suis sur la partie où j'ai pas vraiment besoin de boost.
Si on touche les trucs bleus, c'est une sorte de bumper en fait, quoi. Merde. Allez, un truc qui va bien. Oui. Non, putain. Voilà, là, c'est... Voilà. Quand je vous disais que j'avais pas de bol, j'arrive à niquer le mec qui est juste devant moi, je peux finir deuxième. Je crois que j'ai troisième. Hein. Comme ça. Je peux finir deuxième. Je lance la carapace rouge, je dis putain c'est bon, je vais pouvoir finir une bonne position. Je prends la rouge juste avant et je me fais niquer. Et encore je finis 5ème, j'ai de la chance parce que je suis fini 7ème. Quand je prends la rouge où je me fais dépasser, je finis 7ème. Et quand je dis j'ai vraiment pas de bol quoi, c'est impressionnant. Ouais, c'est pas trop mal. Château Bowser, voix céleste. Château Bowser, il est joli, il est sympa. Donc je disais, salut, bonne chance, bienvenue doucement avec moi, ok, en plus de joueurs, qu'est-ce qu'on attend, je vais tout donner, j'ai le trash, je n'ai plus en place, je joue avec le gyroscope, c'est pour la manette, hurrah, remettons ça, c'est pas juste, belle partie, c'était marrant, prochaine est pour moi, merci beaucoup, bonne nuit, c'est ma dernière, je vais rester là, prochaine, merci, c'était sympa. Ouais, genre belle partie. Donc ça, on peut communiquer un peu, avec tout le monde, il fera son bateau, mais bon, c'est marrant des fois, c'est un mec qui spam et tout. D'accord, super. Des fois ça fait ça, donc voilà ce que je disais, vous avez 500 pièces, un nouveau élément de personnalisation du véhicule disponible. Des fois ça fait ça, la collection plante, alors je pense pas que ce soit moi, parce que j'ai pas de problème sur, que ce soit sur PC, console ou autre. Donc bon, des fois ça bug, bon, c'est pas, je suis en wifi, donc bon, dans un sens je me dis que... Parce que j'ai débloqué. Un nouveau carte, c'est quoi? D'accord, une sorte de... De chaussures, en fait. Bah il sneak, sneakers ouais, c'est pas faux. Et on s'en fiche, on est pas là pour. Quoi les nouvelles voitures, hop, on est là pour jouer. Donc on joue un jeu en ligne à deux joueurs. Ce qui est plutôt sympa. Parce que du coup avec un pote on va se faire des parties en ligne. Pas plus de monde quand on joue contre l'ordinateur. Non j'ai pas envie de prendre ça. La moto va très très bien. J'ai vu aucune différence entre les motos et les véhicules. Le seul truc à la limite qu'on peut se dire, c'est que vu que les cartes sont plus larges, on prend moins de dégâts. Mais bon, je pense pas que la hitbox soit différente. Sinon, tout le monde prendrait la moto et puis voilà, ça serait hyper cheat. Mais non, du coup, ouais, non, il n'y a pas de différence au niveau de puissance ou quoi. Et, en fonction du personnage que vous prenez, votre carte est plus ou moins gros. J'ai vu que quand vous prenez un bébé, genre bébé Mario, les cartes est tout petit. Alors, quand vous prenez Wario, un truc comme ça, le carte est assez gros Bowser ou le carte est assez gros. Je sais pas s'il y a une différence, s'il y en a un qui est plus maniable, qui est plus rapide. Honnêtement, j'ai pas testé. J'ai pas essayé de voir la différence. Mais je pense pas qu'il y ait une réelle grande différence. Sinon, enfin, voilà, ce sera avantagé. Mais sans givre, il est pas mal. Ce sera avantagé une catégorie de personnes. Non, ce serait pas. Bon, certes, il y aurait des différences. Du coup, un serait plus léger, l'autre est plus rapide, l'autre serait plus agile. Mais je pense pas que ça soit vraiment à l'intérêt du développeur de faire un truc comme ça. Parce que, bon, au final. Pour le peu de différence qu'il y aurait. Chut! Le petit cri. Surtout qu'en plus, on peut pas changer de. Enfin, pour changer de carte en fonction des courses, faut revenir et repartir. Du coup, on peut pas trop. Si vous avez. Vous voyez la course, c'est une course par exemple qu'il faut un carte plus léger, vous avez un carte lourd. Vous repartez en arrière, vous n'êtes pas sûr de retourner sur la même course. Donc, pour ça, c'est. Pas vraiment avantageux. Sinon, donc, je joue avec le gamepad. Donc le gamepad en fait reproduit l'écran sur l'écran du gamepad du coup. Et en course, soit du coup on peut avoir l'image de la télé, soit on peut avoir le classement général. Soit on a le classement général parce que l'écran est coupé en deux en fait si vous voulez. Et à côté gauche vous avez donc le classement, c'est-à-dire les personnes qui jouent etc. Les positions et les bonus qu'ils ont. Et sinon on peut avoir trois types d'options différentes à l'écran. Donc soit le klaxon c'est ça. Voilà, il fait des trucs bizarres comme ça et les gens à côté sautent. Quand vous êtes à côté, hop, ils sautent. Et Luigi, hop, touc. C'est totalement débile, je sais pas si les gens le voient ça. S'ils voient leur personnage sauter quand je suis à côté d'eux. Ou si c'est juste une animation pour moi, pour mon délire. Ça sert à rien clairement. Et putain, on va essayer de le foutre dans la tronche. Ça c'est le truc le plus difficile à gérer quoi. Ah, d'accord. Hop, derrière moi. Hop,
Sinon, on peut avoir la carte. Donc, c'est-à-dire qu'on a le circuit complet avec la position des personnes indiquées par leur perso. Hop, merde. J'ai pas mon truc, mais c'est pris dans le côté, donc pas trop mal. Et troisième, donc on est plutôt bien. Il y a une étoile qui arrive, je sais pas trop. Alors, je crois qu'il y a un bonus qui arrive dans notre dos qui est assez important, comme une carapace rouge ou du moins une. Hop. J'ai pas compris, on est trop dans la gueule. Alors, putain, mais lâche-moi quoi. Ça c'est ignoble. Clairement, ça c'est ignoble. Ça prend 3-4 dans la tronche d'un coup, là, c'est, je suis pénible. Quand on est loin comme ça, parce que du coup, tant qu'il. Bien sûr, quand on vient de s'en prendre une, on est plus ou moins invincible pendant quelques secondes, quand on se remet sur roue, sinon on se fait spammer quoi. Sauf que du coup, là, vu que je suis assez loin, bah, tant qu'il en prend une, j'en remets une autre. Tant qu'elle arrive, bah, l'autre se reprend une deuxième. C'est un coup à devenir fou, ça, clairement. Pourquoi je crois que c'est toujours. Quand on a investi comme ça, on peut couper à travers champ, c'est pas. Oh, toi, mon gars. Enculé. Je voulais rentrer dedans. Oula. Donc, à part de scribe dans le sens, hein, j'espère qu'il n'y en avait pas que 3, qu'il n'y en avait qu'une. Ah putain, il a le. Je comprends pas pourquoi il a aussi que moi, alors que j'avais le champignon, mais là, en fait, il avait le. Justement le champignon doré qui lui donne des boosts à quasiment infini, mais enfin, okay, enfin, le temps ça dure, le temps que le boost dure. Pourquoi je pars sur le mur avec une fille? Putain, pourquoi j'ai pensé à mon champignon juste avant quoi. Du coup j'ai loupé le cadeau, j'aurais pu un truc j'aurais pu me sauver la vie, au moins me faire gagner. Et ah putain, voilà la carapace rouge juste devant la ligne d'arrivée. Et la deuxième, c'est la fête du slip, voilà, l'homme du plus machin du monde. Et voilà, 8ème. En 7ème. Je dis que j'ai pas de bol. Et c'est souvent dans ce moment-là, hein. C'est vraiment quand je vais arriver pour une d'arrivée, bim, je me fais massacrer. Donc du coup, je disais oui, donc le gamepad de 3 options, donc l'image de l'écran. Si jamais vous voulez carrément éteindre la télé puis jouer tranquillement sur le gamepad. Le klaxon, voilà, je sais pas à quoi il sert, mais en tout cas il est là. Et hop là Yoshi. Et du coup oui c'est pas juste hein, parce que j'étais dans mon trio de tête et je me suis fait déglinguer à la fin. Et la troisième option du coup c'est en fait il propose d'inverser les scènes de commande du gamepad et du coup au lieu de jouer avec le joystick et puis les boutons, enfin les boutons on les garde, au lieu de contrôler le carte avec les joysticks, on contrôle le carte avec le mouvement de la manette en fait. Donc on tourne le gamepad sur le côté. Un peu comme on ferait avec une Wii. Enfin, un Wii Remote. Donc la petite manette carrée, rectangulaire, pardon. De la Wii. Et la Wii ou par la même occasion, parce que c'est la même chose. Allez. Ce coup-ci, on y on gagne. Je le sens bien, je sais pas pourquoi je le sens bien. Hop. C'est sur le 2. Boum. Ah putain, j'ai serré un poil trop tôt. Voilà, ça c'est aux internationales. On commence déjà par dernier dès le début de la game. Carrément pas bon. Ça va, c'est un peu mieux. Hop, j'arrive à bouffer les murs, ça c'est encore mieux. Il y a du monde, donc je balance tout. Pouf, pouf. Et. Ah. Ah, c'est dommage. Ça fait 2 sur 3. C'est toujours pas mal, clairement. Hop, on repart avec un boost, nickel, hop. Oh, il a le coup de cadeau, il a de vénère. Ah, ça c'est bon ça. La plante, quand il y a personne, elle vous avancez. Voilà. Elle vous donne des petits coups en avant pour vous aider, parce que ça fait un mini boost à chaque fois. Et quand il y a quelque chose à côté, que ce soit des pièces, que ce soit un bonus, que ce soit un malus, donc une carapace qui arrive sur vous ou quoi, elle la détruit. Elle récupère les pièces et si un ennemi à côté il le bouffe. Donc du coup vous foutez en droite quoi. Hop là, super, je vais me mettre le truc juste avant le cadeau. Parce que là c'est que même si vous êtes dans les derniers, vous voyez, il y a toujours du monde, il y a toujours quelqu'un qui sera dégommé pour quelque chose, donc au final vous êtes jamais tout seul en tant qu'un connard sur la piste pour accélérer et puis d'attendre que la partie finisse, parce que sinon vous êtes trop loin pour attraper qui que ce soit. Donc je sais pas s'il y a un système d'aide au dernier. Quand il pourrait y avoir.
en âge de course en général, ou quand vous êtes dernier comme ça, ben, ils vous donnent un petit bonus de vitesse pour rattraper les gens. Putain, mais lâchez-moi, je suis déjà 8ème, merde, allez. T'es dernier, mais tu t'es quand même déglingué, quoi. Ça, c'est un truc qui me tue. Là, t'es dernier, t'as pas de bol, t'es en train de te faire défoncer, tu te fais chier la bite, mais non, en plus, il y a un mec qui te déglingue, quoi. Bon moment déjà. Il faut savoir que soit il y a plusieurs items comme ça où vous avez en fait l'item pour un moment donné et pas pour une utilisation précise. J'ai réussi à gratter des places en coupant à travers à cause de grâce à l'étoile, mais c'était pas top quand même. Hein. Donc vous avez plusieurs items comme ça, donc il y a la plante, donc carnivore que j'ai montré. La fleur qui est en fait donne, comme dans Mario quand il apprend, il crache des boules de feu, pareil. Donc là vous crachez des boules de feu pendant un moment donné, autant que vous voulez. Et le champignon doré qui dure un temps, peu importe l'utilisation que vous faites. Donc c'est pareil si vous avez par exemple que ce soit le champignon, la fleur ou la plante, enfin la plante elle reste active, vous n'avez pas besoin de l'activer. Une fois que vous l'avez activée, elle est là, elle fait son boulot, vous n'avez pas besoin d'appuyer pour la relancer. Par contre, que ce soit le champignon ou la fleur, si vous appuyez une fois et qu'après vous l'utilisez plus, bah le temps continue à découler et puis l'objet disparaît au bout du temps donné, même si que peu importe que vous voulez lancer une ou 25 boules de feu, quoi. Voilà, donc c'est chose à savoir aussi, à pas utiliser forcément n'importe comment. On est 3 Français, donc 2 du Nord-Pas-de-Calais, l'autre temps on va jouer ensemble, pour un peu. Alors, le stomp, circuit stomp. Excellent, non. Voilà. C'est vraiment quand le 2 apparaît, quoi. Si t'anticipes un poil le 2, t'as une chance de 2 pour finir cramé. Eh bien, c'est moi qui ai vu. Hop, j'ai un rage. Boum. Tu es chaud. Alors, des fois, ça, c'est le truc qui te fout la blase. Tu veux un cadeau, un item, qu'est-ce qu'il te fait? Il te sort une pièce. Alors, la pièce que ça fait, ça donne 2 pièces. Voilà. Fin de l'histoire. Merci, au revoir d'être venu. Donc, on peut rouler sur les murs. Le plus souvent, rouler sur les murs ou débloque des. Enfin, souvent sur les murs il y a des boosts. Je sais pas si sur le mur on va pas moins vite. Après je suis premier donc regardez bien ce que je vais me prendre dans la gueule. Je sais pas si le mieux ça devrait être à s'échapper. C'est pas souvent évident. Non, c'est clairement pas évident. Voilà, 2 pièces. Deux codes d'affilée, 2 pièces. Fantastique. J'adore, c'est très utile. On va descendre. Hop. On va plus vite quand même quand on est sur le sol où on est. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'ai l'impression. Et quand on est sur le mur, souvent, quand on a un passage sur le mur, il y a des boosts. Je sais pas si c'est intéressant de les prendre. Maintenant, j'ai pas encore fait à trouver le truc intéressant. Parce que, bah, si vous voulez, à chaque fois que je suis sur les murs, je vois les mecs qui roulent à côté de moi et bah, voilà quoi. Ils roulent aussi vite que moi quoi. Donc au final, hop, ça c'est toujours intéressant de le prendre. Ça fait un bon petit raccourci. Juste pour tomber dans l'eau. Hop, non, je vais pas sauter. Là pour sauter, yes, paf. Ouf, les pièces sont branles. Cadeau, non, je prends pas vraiment. Hop là, on va écraser, ce serait cool. Qu'est-ce que j'ai, une pièce, super. Donc j'ai eu 4 cadeaux, 3 pièces et une carapace verte. Je vais me faire bouffer la rouge, nique ta mère. Allez, donne-moi rouge, hop. Oh, tu vas où là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Putain, j'ai horreur de ça quoi. Qu'est-ce qui branle? Pourquoi il est parti foncer dans le mur d'un coup là? Il est parti en travers, d'un coup dans le mur, tu sais pas pourquoi. Voilà, t'as des courbes, bah, 3ème. Banane devant ton nez. Je crois qu'il l'a pris, donc je suis pas sûr, mais en tout cas il allait devant. Enfin non, je crois que c'est mon joueur doublé. Hop là, on va essayer de se bouffer le bordel. Il a gardé la rouge, enculé. Ah, bim. Ah, il est pas mauvais. Ah, l'enculé, bah il a juste coupé derrière lui, le mec il a pas pu. Il a jeté un coup de derrière, il a fait oh putain, il est juste dans l'alignement, il peut pas me retenir. Par contre, j'ai l'impression qu'il passe un peu tout à travers les cadeaux sans les prendre. Je sais pas si c'est une impression ou quoi. Mais... Non, putain, voilà, ça c'est mon coup de bol. Allez, nique ta. Je me bouffe la bombe, super. Ah oui, génial, 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 génial. Fantastique. Voilà, parfait. Donc, comment passer de premier à dixième, qui doit être avant-dernier. Avant-dernier, d'accord. Voilà, donc on en parle de ma chance phénoménale, quoi. Surtout qu'en plus. J'essaie de prendre un raccourci pour gagner du temps et j'ai le bonus, j'ai tous les bonus quoi. J'ai le symbole d'infini là qui te donne à peu près tous les bonus.
Au tout début, j'ai eu que des trucs à lancer, je sais pas, j'ai joué grand monde. Mais en tout cas, c'était pas ça. On va, donc voilà pour la prochaine présentation du mode online de Wii U. Prochainement, on essaiera de faire un mode mondial, tiens, pour tester, j'ai encore jamais essayé. On a peut-être plus de monde, ou en tout cas des mondes de plus de diversité ethnique, parce qu'on arrive à des pays plus lointains. J'ai juste trouvé aucune idée en fait de pourquoi il y a mondial et pourquoi il y a régional. Je me dis que c'est du monde de la proximité des pays. Mais voilà. Donc je vous propose ça. La prochaine fois, donc du coup, bah, on essaiera un autre mode de jeu, donc le monde mondial. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis bonne continuation. Faut pas trop faire votre corps. Et puis on se retrouve pour une prochaine.